traversée qui va durer environ 3h15 et aujourd'hui il fait particulièrement beau. Nous venons d'arriver aux îles Lofoten. Nous avons déjà été à A. A, c'est un petit port au sud des îles. Et maintenant, nous sommes à Rennes. Rennes, c'est un petit port de pêche, mais un peu converti au tourisme. Nous sommes sur une randonnée à Winstadt. Pour venir ici, il faut prendre un ferry. Il y a à peu près pour 20 minutes. Enfin, un ferry, c'est un petit bateau. Et ensuite, il y a à peu près une heure pour arriver à la plage. Wear it on your sleeve. Who are you counting on? Who are you leaning on? When the cold winds blow strong, who are you leaning on? Low down valley, low down values. Easy come, easy go. Lots of fun, sit in the sun, another one will surely come. Who are you counting on? Who are you leaning on? When the cold winds blow strong, with all that's going on. On fait une petite balade le long de la plage, une superbe plage de sable. Je vous montre ça et on voit la neige tout au fond. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Marco se baigne.
Donc ce matin, petite randonnée d'une heure aller, une heure retour, normalement facile, qui permet de contourner la montagne et de passer de la plage sur laquelle on était cette nuit à une autre plage qui est de l'autre côté. On s'est bien couvert parce que le temps est assez incertain ce matin. Après notre super spot d'hier soir qui nous a permis de voir le soleil de minuit ainsi que de nombreux oiseaux, nous sommes en route pour le musée viking des Lofoten à côté de Borg. Le musée viking des Lofoten, très instructif et assez ludique. Bon, on a appris que l'ère viking s'est déroulée de 800 à 1050 à peu près, puisqu'après il y a eu la christianisation. À disposition aussi, il y a quelques animations. Le tir à l'arc, où Martine a excellé, et le lancer de hache, où Martine a excellé également. On peut également voir un drakkar. Normalement, on peut faire un petit tour dessus. Mais là, c'était pas encore vraiment ouvert, donc ils étaient en train de s'entraîner. Donc ils n'acceptaient pas de personnes extérieures. Nous sommes à Enningsvaer. La particularité de ce petit village, c'est qu'il y a des canaux et il y a aussi un terrain de foot. Après avoir passé, la partie s'échange de morue.